Nazir Dafnoun Vav. Une question qui peut arriver à nous tous dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui rentre sa main dans les toilettes, il a rentré que la main, par exemple, pour prendre une serviette ou quelque chose comme ça, et il est intéressé maintenant de savoir s'il a besoin de faire Netilat Yadayim ou pas. Est-ce que c'est considéré qu'il est rentré aux toilettes ou bien qu'il n'est pas rentré aux toilettes? Comme on sait tous, quelqu'un qui rentre dans les toilettes, même s'il n'a rien fait, le fait de rentrer, s'il est rentré, il doit faire Netilat Yadayim. Donc là, la question qu'on se pose, il a rentré que la main et il est intéressé de dire c'est que ma main, c'est rien du tout. Est-ce qu'on considère cette chose-là comme quelqu'un qui est rentré aux toilettes ou pas? Salle de bain, aux toilettes, bien sûr, c'est la même chose. Le Ben Ishraï, dans le Shul Torah Lishma, Siman Kaf Gimel, il relève cette question et il est intéressé de donner une preuve de notre Sugya. On a vu dans la daf précédent qu'il y a une Xéra spéciale que les Chachamim ont donnée. Une Tum'a Teretz Ha'amim. La Tum'a qui repose sur tous les pays qui ne sont pas Eretz Israël. Dans la Gemara, on voit que le Nazir n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. C'était une Tum'a qui existait à l'époque, le Chachamim, du temps du deuxième Beth Amikdash, si je ne me trompe pas. Ils ont donné beaucoup de Xérot qui concernent l'Ilkhot Tum'a v'Tahara. C'est intéressant de remarquer cette chose-là. Pendant cette période du deuxième Beth Amikdash, il y a plein de xérotes qui concernent Touma Vetahara. C'était surtout pour s'écarter de toutes sortes de groupes qui faisaient partie du clan d'Israël et qui se sont séparés du clan d'Israël, qui ont inventé toutes sortes de choses. Et donc, les Chachamim ont vu le besoin de se renforcer dans tout ce qui concerne Touma Vetahara. En tout cas, les Chachamim ont donné une Touma sur Touma Teretz Ha'amim. Dans la Gemara, on va voir deux explications, surtout dans les Mefarshim. Pourquoi ils ont donné cette Touma? Est-ce que c'est une question que dans tous les pays qui se trouvent, tous les pays des goïms, quand les goïms enterrent leurs proches, ils ne font aucun signe sur les tombeaux de leurs proches, et donc on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans n'importe quel endroit, c'est possible qu'on touche à mort, etc. Ou bien, non, c'est une touma en soi que les Chachamim ont donné au Touma Teretz Ha'amim pour ne pas que les gens sortent d'Eretz Israël. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Gemara, elle parle de cette Touma Teretz Ha'amim, et la Gemara, elle relève la question, est-ce que c'est la Touma, c'est sur toute l'ère de Ha'amim, même toute la superficie, non seulement du sol, mais jusqu'au ciel, ou bien non, c'est une Touma qui est que sur le sol. Quoi qu'il en soit, d'après les deux Tadim, si il est par exemple, il est sorti en route l'arrêt avec un deltaplane, alors il est tamé. Parce que on considère que le sol, c'est comme un mort, et il est maintenant ma'aïl sur un mort. Toute la question, c'est s'il monte, par exemple, en avion, comme on a vu hier, ou bien, par exemple, si on a parlé du deltaplane, en montgolfière, par exemple. Et là, dans ce cas-là, il n'est pas ma'aïl lui-même, son corps n'est pas ma'aïl. Il ne fait pas un ohel, il y a un écran entre lui et la terre. Dans ce cas-là, la Gemara, elle pose une question, est-ce que c'est considéré? Est-ce que les Chachamim, quand ils ont rendu tamé tout le Chutz La'aretz, c'est toute l'air ou bien que quelqu'un qui est au-dessus de de la terre? En tout cas, la Gemara, elle va dire que quelqu'un qui est sorti en Chutz La'aretz, il doit aller au Mikvé et attendre que la nuit tombe pour être Tao. La Gemara, elle donne une afkamina entre les deux tzedim qu'on vient de voir. C'est quelqu'un qui est rentré en Chutz La'aretz. Quelqu'un l'a porté, d'autres personnes l'ont porté quand il était dans une armoire fermée. Et la Gemara, elle va dire qu'il y a, d'après une explication, il y a une machloket. Est-ce qu'on a peur? Est-ce que les Rachamim l'ont rendu tamé parce qu'ils ont craint que même dans un cas où il est sorti avec une armoire fermée, on a peur qu'il va sortir sa tête et la majorité de son corps en dehors de cette armoire, et dans ce cas-là, il va devenir tamé. Donc, Tosfot donne une preuve de ce langage que la Gemara a donné, que quelqu'un qui a sorti par exemple que sa main en Chutz La'aretz, que son pied par exemple, ou même que sa tête, tant qu'il n'a pas sorti sa tête et la majorité de son corps, n'est pas considéré encore qu'il est rentré dans l'endroit tamé, et il est pour l'instant encore tahor, c'est que quand il va sortir sa tête et la majorité de son corps qu'il va devenir tamé. La même idée on retrouve à propos d'une maison qui a une tsara'at. On sait tous qu'il y a trois sortes de tsara'at. Tara dans la maison, Tara dans les habits et Tara chez les personnes. Quelqu'un qui va rentrer dans une maison
dans laquelle il y a une tzaraat, ça s'appelle Bayit HaMenouga, alors il va rester un certain temps et il va devenir tamé. Cette personne, s'il est rentré, qu'il a rentré qu'une partie de son corps, il n'est pas encore tamé. C'est que quand il a rentré Rosho Berobo, encore une fois, on retrouve cette idée, c'est que dans ce cas-là où il est tamé. En revenant à notre question, on pourra peut-être donner une preuve que quelqu'un qui a rentré que son tamin dans la salle de bain, il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim parce qu'on n'est pas, on n'en considère pas encore qu'il est rentré dans l'endroit tamé. Comme ça, ramène le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il repousse cette preuve et il dit qu'il y a une grande différence entre l'histoire de Touma Teret Ta'amim, l'histoire de Bayit HaMenouga et la salle de bain. Quelqu'un qui rentre dans une salle de bain, on remarque qu'il n'a pas, il n'est pas tamé. C'est pas que tout son corps, il est tamé. C'est pas vraiment une question de Touma. C'est une question de Ruach Ra'a qui repose que sur les mains. On remarque qu'on fait que Netilat Yadayim. On n'a pas besoin de se laver ni les pieds, ni de se rincer la figure quand on sort de la salle de bain. C'est qu'une question de Touma, de Ruach Ra'a qui a comme comportement de rendre tamé les mains. C'est que les mains qui sont tméotes. Donc, on voit ici qu'on ne va pas forcément d'après les règles normales et générales. Et peut-être que quelqu'un qui a rentré que sa main, alors on dira que sa main, elle est, lui, devenue tamée. Parce que c'est un roi ra qui repose sur la main. Alors, c'est vrai que s'il a rentré que son pied, si je ne me trompe pas, même d'après le Ben Ishraï, on ne doit pas faire des Netilat Yadayim. Mais quelqu'un qui a rentré sa main, alors dans ce cas-là, on ne peut pas forcément faire de comparaison entre les autres Yifrot, Touma et Tara. Dans ce cas-là, c'est un roi ra qui repose sur la main, et le Ben Ishraï, effectivement, il est marqué de faire Netilat Yadayim. Maintenant qu'on a vu qu'il doit faire Netilat Yadayim, est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim que sur cette main, ou bien sur les deux mains, même sur la deuxième main qui n'a pas rentré dans la salle de bain? Le Ben Ishraï dira qu'il suffit, effectivement, de faire Netilat Yadayim que sur cette main. Le Orle Tzion, il relève aussi ce sujet, et lui dira, puisqu'on ne connaît pas le comportement du roi ra, on voit qu'il ne va pas d'après notre logique, notre propre logique. Il est très possible que, même en rentrant une seule main dans la salle de bain, les deux mains sont devenues tuméotes. Et donc, il est préférable quand même de faire une Netilat Yadayim aux deux mains. Pour finir, si déjà on a parlé de cette histoire de Ruach Ra'a et de comment ce Ruach Ra'a se comporte, est-ce que quelqu'un qui a rentré des aliments dans la salle de bain, dans les toilettes, est-ce qu'il y a un problème de les manger ou pas? Le Minchat Yitzhak, il relève ce sujet, et il dit que le Ruach Ra'a, il repose que sur les mains. On vient de voir, c'est que sur les mains, pas sur quoi que ce soit d'autre. Et donc, normalement, si on cherche la halakha, on ne retrouve pas dans les poskim quelqu'un qui a interdit de manger un aliment qui était dans les toilettes. Quand même, le minag, il est d'être machmir là-dessus. Il va ramener, il y a un minchat yitzhak, il ramène Maharash Mibelz, c'est un d'admorim de Belz qui est de l'époque, qui était huit machmir là-dessus. Et comme ça, on a le minag, si on peut facilement, les gens ont pris l'habitude quand même de ne pas manger des aliments qui sont rentrés dans les toilettes. Mais quand on parle du point de vue halakha, halakha, c'est permis. C'est une histoire de minag, d'habitude, peut-être une bonne habitude, mais pas plus que ça. Et si c'est comme ça, dit le Minchat Yitzhak, dans un cas où, par exemple, je dois faire Netilat Yadayim et j'ai pas d'eau à l'extérieur, quelque chose qui peut arriver, quelqu'un qui se trouve dans un hôtel, ou dans un train, dans une gare, ou toutes sortes d'endroits comme ça, où il n'y a pas forcément une possibilité de faire Netilat Yadayim à l'extérieur des toilettes, alors on a le droit de prendre de l'eau qui était dans les toilettes, et on ne dit pas que cette eau réside sur cette eau, un roi, on peut prendre cette eau et faire Netilat Yadayim à l'extérieur.